là. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On peut continuer, oui. Pierre Barbu était connu de la police, mais n'était pas jusqu'à présent considéré comme un individu très dangereux. Barbier, beau garçon, élégant, était fort répandu dans les milieux spéciaux de Montmartre et de Marseille. Les circonstances ont fait tuer un tueur aux hôtes de l'ennemi public numéro 1. Les policiers lui avaient tendu un piège dans un hôtel de Valenciennes où Barbier se rendait sans méfiance à un rendez-vous auquel il croyait rencontrer une de ses faciles victimes. Malheureusement, Barbier put s'échapper et s'emparer d'une auto en stationnement. Au volant de cette puissante voiture, il parcourut les rues de la ville sans que personne ait le moyen de s'opposer à son passage. Cependant, les policiers avaient donné l'alarme et s'étaient lancés à la poursuite de Barbier. Ils retrouvèrent la trace de l'auto volée qu'ils rejoignirent à la faveur d'un encombrement. Alors le bandit sortit sa mitraillette et tira. Deux agents tombèrent, victimes du devoir. Dans le désordre que provoqua cette fusillade, au cours de laquelle trois passants furent grièvement blessés, l'auto-meurtrière disparut. Elle erra toute la nuit, cherchant à regagner Paris. À l'aube, le bandit, sans doute épuisé, fut victime d'un accident aux abords de la capitale près de la porte des Lilas. Les témoins virent un homme blessé sortir de la voiture accidentée et s'enfuir. Aussitôt, le quartier des Lilas fut fermé par la police. Toutes les maisons furent fouillées une à une, mais en vain. Malgré le flair des chiens policiers qui suivirent sa trace, le bandit court toujours. Son signalement, 30 ans, œil clair, petite moustache, porte un costume à carreaux voyants. Il ira pas loin, et quand il sera pris, trois passants, deux agents, il est bon le bandit. Pas d'histoire. Eh ben, il se fixe dans le journal. S'il est vraiment venu ici, le bandit, mais il a pas pu en sortir. Et moi, je sais qu'il est parti plus belle lurette. Avec toute la piquette qu'il y avait. Et ton costume, on ne peut pas se faire remarquer. Le lit a peut-être attendu la nuit. Mais où ça qu'il l'avait attendu la nuit? Ah bien, ben, va lui demander, moi, j'en sais rien. J'en sais rien. Il n'en sait rien, mais c'est un proche bon journal. Je te rendrai prêt, curé. Va donc, bandit, va donc, pirate. Espèce de barbier.